Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente mon bureau. Hello, c'est Peggy, je suis dans mon bureau. Et c'est le bordel parce que ce matin, j'ai décidé d'installer ce coin-là. Donc, les tablettes du haut sont installées. J'avais trouvé des petites attaches là, au sol que les anciens proprios avaient laissées, fait que j'ai pu fixer mes tablettes. Et là, je cherchais une solution pour les tablettes du bas parce que j'en avais, mais ils ont été défaites pendant la construction. J'avais une espèce d'étagère, je comptais les récupérer, mais finalement, l'étagère est morte. Alors, plan B, j'ai pas le goût de racheter des tablettes de mélamine parce que ce coin-là est possiblement amené à être modifié. Quand on va faire la cage d'escalier de l'autre côté, probablement qu'on va devoir empiéter un petit bout ici. Fait que je veux rien faire de permanent, puis je veux pas investir non plus là, pour du rangement. J'investirai quand ça vaudra la peine, puis quand ce sera là pour rester. Alors, pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'avais le choix de monter deux meubles au sol là, pour venir faire du rangement, puis placer tout ça. Alors, je vous montre lesquels, là, puis je vais vous expliquer pourquoi je choisis ça. En attendant, c'est temporaire. Comme je dis, là, j'installe mon bureau pour être fonctionnel cette année, puis avant qu'on fasse le reste du projet. Mais voilà ce que ça donne quand on travaille. Là, j'ai tout vidé ce coin-là. Il y avait beaucoup de stock et j'ai quasiment autant de stock en bas. Alors, je vais jouer à Tetris pour faire rentrer ça, tout cela. Et je vais pouvoir me faire du rangement ici. J'ai un 30 pouces de large là, pour mettre des tablettes. Donc, soit que je mets des tablettes ouvertes comme ceci. Mais celle-là, il aurait besoin d'un petit coup de canette. Là. Elles sont rouillées et pas super belles. Sinon, j'ai des tablettes pleines en mélamine de 30 pouces. Mais ça implique que je mette des équerres au mur et que je taponne un peu plus. Alors, je vais voir. Je suis en réflexion pour cette côté-là. Je vous reviendrai tantôt. Et là, je vous amène au sous-sol là, voir quel choix j'ai de meubles. Alors, les deux meubles que je peux choisir pour mettre mes choses, c'est celui-là, qui est léger, facile à transporter. Même tout ça, je vais être capable de monter. Ou celui-là. Mais celui-là, ça fait une couple de fois qu'on le déménage, visse, dévisse et revisse, et la mélamine commence à être fatiguée. Donc, je pense que ce sera pas ça mon option préférée. Là. D'après moi, du moment que je le bouge, il va s'effondrer. Fait que lui, je vais plus le démonter puis récupérer les tablettes de 30 pouces qui sont pas trop amochées. Parce que celle du haut, on voit qu'elle est courbée, mais les autres, ils ont l'air pas si mal. Alors, on va faire de la récup en attendant. Fait que je monte en haut, j'installe, puis je vous remonte le résultat après. Me revoici dans mon bureau. J'ai rajouté quelques trucs dans la mosaïque. J'ai installé mon ancien bureau, mais cette fois-là, je l'ai installé à hauteur pour travailler debout. Donc, j'ai un bureau pour travailler assis à l'ordi. Puis un bureau ici pour faire mes expéditions, mes envois de colis, là, tous mes jeux, je garde sont en dessous. Donc, quand j'ai des commandes, je vais pouvoir préparer celle-là au lieu d'amener ça sur ma table de cuisine ou sur le comptoir comme je faisais d'habitude. Et j'ai un tabouret qui est là-bas, qui s'en vient ici. Et là, je regardais mon bureau, puis il est un peu amoché. Ça fait plein de fois que je l'installe, je l'ai depuis l'université. Ça vous donne une idée? Ça fait longtemps. Alors, je vais le repeindre prise 1000. Avant, il était couleur bois jaune. Après ça, il était blanc. Après ça, il était gris. Puis là, il s'en va une autre couleur que vous verrez tantôt. Parce que là, je donne la première couche tant qu'à être dans le bordel. Il va me rester à reclasser tout ceci. Et j'ai installé mon coin imprimante. Donc, imprimante est là, tous mes trucs d'animation que j'ai besoin rarement parce que j'en fais moins là, avec des lumières, des écrans et tout le kit, c'est rendu dans ce coin-là. Je vais avoir de la place pour me rajouter d'autres tablettes si je veux, ça serait pratique. Puis j'ai installé une espèce de mural en tissu que j'avais au sous-sol là, pour mes cours de Zumba, ben rendu dans ce coin-là. Je la trouvais belle, ça fait une belle déco différente. Et il m'en reste un autre morceau que je vais probablement poursuivre. Peut-être sur ce mur-là, jusque-là, pour faire un tout, puis faire ça un peu plus coloré. Quand je travaille, j'aime ça d'avoir de la couleur et un peu de vie, parce que le reste, c'est monochrome, comme partout, là, c'est le même gris. Donc, Gigotte a trouvé sa place sur les étagères en haut, ma mascotte. Puis le reste, j'ai beaucoup de stock pour les animations de cours, animations Gigotte et compagnie. Donc, tout est rendu là. La paperasse est rendue là, classeur et compagnie. Puis ma vieille porte, je l'avais installée en arrière. Je vous montrerai quelque chose d'intéressant là, prochainement, puisqu'il y a une date anniversaire qui s'en vient.
Puis c'est drôle, elle est sur ce tableau-là quand on avait démanché la porte. Donc je vous reparle de ça plus tard. Mais pour l'instant, je me retourne à ma peinture. Et je vous remontre le résultat plus tard. Les moulures sont pas installées dans le bureau, puis c'est voulu. Ici, ça me prend des moulures plus larges que ce qu'on a ailleurs dans la maison. Et de toute façon, il y a un bout qui va être modifié quand on va faire la cage d'escalier. Fait que je vais attendre, je vais le faire juste une fois, tout en même temps. Pour l'instant, ben, il y a plein de choses qui cachent, fait que c'est pas si mal. Donc voilà, à plus! Ah, et pour les fins observateurs, j'ai oublié de préciser, vous avez sûrement remarqué qu'il y a un gros gap tout le tour du bureau. J'ai pas le choix dans cette pièce-là, les murs sont pas droits. C'est bombé, c'est pas à angle droit. Fait que ça va mal pour assembler mon bureau. Donc j'ai pas le choix de l'avancer pour que ça rentre partout. Mais c'est pas grave, j'ai une moulure qui va venir cacher le petit écart partout autour. Donc ça va disparaître tout ça avec une belle moulure, ni vu ni connu. Tadam! Voici, c'est encore plus le bordel que tantôt. Mais mon bureau, il a l'air comme neuf. Puis tant qu'à peindre, j'ai décidé de peindre aussi les deux autres petits bureaux qui étaient en dessous. Leur redonner un petit coup de jaune. Et là, il commence à pleuvoir. Mes fenêtres sont là. Regardez comment je vais avoir du fun à passer. Fait que c'est ça, mission impossible. Je m'en viens. Ciao! Je vous avais montré en fait la première couche du bureau. Je sais plus où ma switch. J'ai refait la deuxième couche de peinture ce matin, puis il me reste la moulure là, à couper puis à installer tout le tour. Parce que comme j'expliquais, les murs sont pas droits, donc j'ai pas le choix de tricher avec une moulure là, pour venir cacher le gap. Sinon, mon plateau il rentre d'un bord, il rentre pas de l'autre, puis c'est pas très pratique. Et j'ai inversé mes petits meubles en dessous. Donc mes trucs gigotes sont rendus là, puis la paperasse est rendue là. Et je vais avoir sur mes deux dessus meubles, là, je vous montre, l'espace pour mettre des feuilles, des toiles et autres. Fait que ça va être plus pratique pour travailler. Et c'est un coin pour travailler assis sur un tabouret haut ou travailler debout complètement sur une hauteur comptoir à peu près. Là. Fait que c'est mes anciennes pattes d'îlot de cuisine que j'ai récupérées. J'en ai récupéré trois. Puis je les ai repeintes ce matin en noir. Ils étaient brunes initialement, mais là, je trouvais qu'avec le bureau, ça fitait plus. Alors, j'ai repeint tant qu'à être dans la peinture, mais j'ai redonné un coup dessus pour les rajeunir. Fait que voilà, ça sera mon coin créatif artistique. Et j'ai remis mes trucs au mur en faisant des petits contours noirs partout sur mes toiles. Hello, je vous présente le résultat presque final de mon bureau. Alors, voici mon poste de travail pour travailler debout ou sur le tabouret. Donc, hauteur un peu plus haute, là, j'ai un petit ménage à faire dessus, il y a à peine de poussière. Page couverture d'un futur projet. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez de quoi je parle. Et je me suis mis de la déco inspirante pour travailler dans mon bureau. Donc, il y a du stock, c'est coloré. Mais je voulais que ce soit vivant. Il me reste des petits ajouts à faire en haut. On verra plus tard. Mais c'est ça, toute ma place pour travailler est bien installée. J'ai de l'espace ici pour ranger tous les papiers en dessous. Donc, c'est le fun. Et des petites cartes. Toutes mes choses pour mes envois, dans le fond, sont là. Ensuite de ça, finalement, l'imprimante, je l'ai déplacée de ce côté-là parce que je voulais être capable de mettre les systèmes de son et autre chose juste là. Donc, voilà. Je vais essayer de pas filmer dehors. Il y a des messieurs de tondeuse qui sont arrivés. Puis, j'ai pas leur permission. Donc, je montre le rangement, qu'est-ce que ça donne. Finalement, j'ai du rangement jusqu'au plafond. Tout est bien placé. Mon stock pour commencer mes cours la semaine prochaine est prêt. Puis, c'est ça. Là, j'ai mon bureau que j'ai redéplacé devant la fenêtre. Puis, j'ai réinstallé la murale là, tout le long. Je vais essayer d'éviter la fenêtre, comme je vous ai dit. Comme ça ici. Et j'ai mis une lumière tout le tour de la fenêtre pour venir éclairer la murale puis faire ressortir les couleurs. Donc ça fait un petit peu plus clair de cette façon-là. Fait que voilà, c'est mon bureau fini jusqu'à nouvel ordre. Éventuellement, il va rester des petites moulures comme je vous avais déjà dit, mais ça va aller plus tard. Et je vous montre là-dessus. C'est le tableau que j'avais avant qu'on fasse les travaux. Donc je trouvais ça bien drôle, là. J'avais envoyé de l'amour au CCU pour qu'on ait finalement notre permis qu'on avait eu le 14 octobre. On avait aménagé au chalet le 23 octobre et on commençait là, les travaux cette semaine-là le 28. Donc toutes les semaines que vous voyez avant, ben, dès qu'on a eu la permission, on avait fait de la démolition.
Fait que ça remonte à il y a un an bientôt. Ça passe vite le temps qu'on s'amuse. Fait que c'est ça. Un petit anniversaire à fêter bientôt. On va avoir fait un an de tour du chapeau pour les travaux. Mais voilà, mon bureau est installé pour travailler. Je suis vraiment contente du résultat. Donc, c'est fonctionnel. Il va me rester du ménage de paperasse à faire éventuellement, mais en gros, là, je suis pas mal contente de ma job. Puis, il va me rester à enlever la peinture que j'ai échappée partout sur mon plancher. Donc, une petite job de frottage, une journée que ça me tentera. Donc, voilà pour le bureau. On peut dire que c'est terminé. Puis, les prochains épisodes, ben, on vous présentera mes travaux pour la cuisine qui avancent aussi. À plus! Et tant qu'avoir sorti la peinture noire pour le bureau, j'ai décidé de refaire un petit encadrement noir dans ma salle de bain. Donc ça, avant, c'était blanc, il n'était pas peint, les moulures. J'ai décidé de les mettre noires, suivant les bonnes recommandations de ma voisine qui a dit « ça serait beau noir, me semble ». Fait qu'elle m'a donné la job, je l'ai faite. Et j'ai rajouté une pellicule d'intimité dans la salle de bain. Et on a terminé de prendre notre douche en sortant de la porte patio. Les gouttières sont maintenant installées. Donc, une autre affaire de régler pour dehors, bonne chose de faite. Donc, ça va diriger l'eau aux bons endroits là, autour de la maison. Ça va faciliter les choses. Donc, voilà pour cet épisode-là. On vous dit à la prochaine pour la suite des choses. Prochain épisode, base de douche de Laurie, ma cuisine et plein d'autres choses.